Quitter. On the ក្នុងការមកតក៏ចំណើរការនីតិវិធីសមការហើយនៅផ្ដល់វិធីការជូនទៅក្រមវិធីការពិក្រីលោកគឺសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងសម្មតនេះដល់ជាបុស្សសិរយចំតនទីបន្តហើយលោកសាក់សិសូមលោករៀបចំនៅពង្រឹងនៅអារម្មណ៍របស់លោកឲ្យបានដឹងដល់ហើយឆ្លើយតបទៅនឹង សំណួរដែលសួរលោកស្ដាប់សំណួរឲ្យបានហើយបើស្ដាប់មិនបានទេមិនយល់សំណួរទេសូមលោកសូមឲ្យអ្នកតាំងសំណួរហ្នឹងសួរលោកម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់សូមឆ្លើយហើយពេលវេលាមិនយូរទេមិនអាចលើសពី1ម៉ោងទេគឺយ៉ាងយូរអតិបរមាគឺម៉ោង12ដំណើរការសកម្មភាពនេះកងការទូរដេញដោលលោកហ្នឹងនឹងចប់ហើយ ហើយអង្គខ្ញុំរះអរគុណណាស់ដែលថាលោកបានប្រឹងប្រែងខិតខំផ្ដល់តែខ្ញុំក្នុងខ្ញុំពេលប្រហែល1ថ្ងៃកន្លងមកនេះឃើញថាស្ថានភាពវាសំណួររបស់លោកគឺច្រើនសំណួរពេកវាច្រើនអាចមានការប៉ះពាល់នៅផ្នែកផ្លូវចិត្តខ្លះហើយប៉ុន្តែអង្គខ្ញុំរះសង្ឃឹមថាលោកពង្រឹងនៅស្មារតីនិងអារម្មណ៍របស់លោកដើម្បីឲ្យល្អល្អឡើងវិញដើម្បីឆ្លើយតបនាពេលចុងក្រោយនៃការប្រតិបត្តិការរបស់លោកនេះ Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais juste à titre informatif, je pense que je serai obligé, vu la lenteur avec laquelle je progresse, d'aller au bout du temps qui m'a été imparti, c'est-à-dire jusqu'à la pause de l'après-midi. Donc, vous venez d'indiquer aux témoins que l'interrogatoire sera terminé à l'heure du déjeuner. Je ne crois pas que je vais y arriver. Je serai obligé, très probablement, d'occuper la première moitié de l'après-midi, conformément au temps qui nous a été attribué, sinon je n'arriverai pas à poser les questions que j'ai à poser à ce témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous avez dit que vous Monsieur le Président, nous avons deux jours et demi pour la défense. Si l'on déduit l'heure et demie pendant laquelle, et c'était tout à fait normal et intéressant, M. le juge Lavergne ខ្ញុំអាចសួរសំណួរដល់ស្រាប់សិនេះរហូតដល់ពេលរសៀលទៀតលោកប្រឹងប្រែងតាំងសំណួរទៅចំណាយពេលពលិអត់ប្រយោជន៍ Monsieur le Président, c'est une atteinte au droit de la défense. Je suis désolé, vous ne pouvez pas faire cela. Vous êtes en train de censurer la défense. Il s'agit d'un témoin capital qui témoigne à propos de M. Que Sampan sur de très nombreux sujets. Ce n'est pas parce que je passe en dernier et je n'y peux rien si je suis dernier à parler. Mes confrères ont respecté très exactement le temps qui était accordé à chacun d'entre eux. Une demi-journée pour la défense de Nunchia. Le temps restant une journée pour mon confrère Carnavas, je ne vois pas pourquoi moi je n'aurais pas le même temps que les autres en fonction de ce qui a été déterminé par avance à la Chambre. Peut-être ne vous souvenez-vous pas de ce qui avait été échangé entre les équipes de défense et le juriste hors classe, mais je puisse terminer mon interrogatoire. Bon, nous pourrons peut-être en reparler, mais vraiment, j'insiste, Monsieur le Président, c'est capital. Ce n'est pas un témoin lambda pour moi.
ចាំយើងពិនិត្យមើលថាតើសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅពេលដែលលោកតាំងសំណួរនេះវាចាំបាច់យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយលោកត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មាននាពេលម៉ោងចុងក្រោយ Monsieur le témoin, à quelle distance du lieu de la réunion était la termitière dont vous avez parlé avant la pause? Êtes-vous resté à côté de cette termitière pendant toute la durée de la réunion? Cette termitière était-elle de taille suffisamment volumineuse pour que vous puissiez vous cacher derrière? Object to this question is repetitive. He asked for some reason already why, whether the witness is hiding behind the termite belt. The witnesses already respond to that. If counsel feels he has inadequate time, he should start asking, stop asking repetitive questions. C'est faux, Monsieur le Président, je n'ai jamais posé cette question. Je pense que c'est une obstruction de la part du procureur. Monsieur le témoin, lors de votre deuxième déposition aux enquêteurs du tribunal en date du 21 septembre 2008, vous n'aviez pas parlé de termitière à côté de laquelle vous vous seriez tenu pendant la réunion, comme vous venez de l'indiquer, mais vous aviez parlé d'un mur de feuilles. Alors je vais utiliser les transcrits de l'audio parce que c'est un enregistrement et qui reproduit donc exactement les mots qui ont été les vôtres le 21 septembre 2008. Il s'agit de la cote D107-3.1. ERN français 008 25 629, ERN Khmer 007 54 368 et ERN anglais 008 2 6 3 8 5. Donc, vous aviez un entretien avec... Alors, on va vous projeter, si c'est déjà fait. Monsieur le Président, si vous souhaitez, je peux projeter la version Khmer pour que vous puissiez la consulter en même temps. Et j'ai également une version papier à remettre au témoin s'il préfère lire un document sous forme papier plutôt que... Merci. Donc, vous aviez dit le 21 septembre 2008, ouvrez les guillemets, la réunion a eu lieu dans une maison en bois de 4 mètres sur 5, au toit de feuilles de palmier. Il s'agissait d'un simple hangar avec un mur en feuilles de palmier. Étant donné que je suis resté debout
contre le mur, je pouvais voir et entendre tout. Fin de la citation. Donc ma question, elle est simple, monsieur. Laquelle des deux versions est-elle la bonne? Celle que vous aviez donnée en 2008 et dans laquelle vous indiquiez que vous aviez pu entendre les propos tenus à cette réunion parce que vous vous teniez contre un mur en feuilles du lieu où se tenait la réunion, ou celle que vous avez donnée ici à cette barre, où vous nous avez expliqué que vous vous teniez à proximité d'une termitière. Les propos qui ont été affichés à l'écran, ce sont donc les propos dans lesquels vous disiez que vous aviez pu entendre le contenu de la réunion car vous vous teniez debout contre le mur de feuilles de palmier. C'est bien cela, monsieur le témoin? Alors, je voudrais que l'on vous montre maintenant la réponse que vous avez donnée à une question sur la description de cet endroit où se tenait la réunion à l'audience du 26 juillet 2012. C'est la page 22 du projet de transcrit du 26 juillet après 10h11. Et en version Khmer, nous avons déjà un ERN, puisque la version est déjà sortie. C'est l'ERN 008-28-349 et la cote E1-97.1. On peut afficher, monsieur le président, du coup, puisqu'on a une version Khmer, si vous nous l'autorisez. C'est à l'écran, monsieur le président. Donc, c'est à l'écran, monsieur le témoin, je vous l'indique, c'est ce qui est affiché à l'écran. Et le 26 juillet, vous avez répondu à la question suivante. On vous a dit, pour bien comprendre, là où cette réunion s'est tenue, est-ce qu'il y avait un bâtiment avec des murs? Et en quoi étaient ces murs, s'il y en avait? Vous avez répondu, je l'ai indiqué, il n'y avait pas de bâtiment autour, il n'y avait pas de mur. La réunion s'est tenue simplement sous un toit, il n'y avait pas de mur. On était entouré de rizières, il n'y avait pas de cloison. Fin de la citation. Alors, à l'instant, vous venez de confirmer la version donnée aux enquêteurs du tribunal en 2008, dans laquelle vous indiquiez que vous aviez entendu ce qui se disait à la réunion, car vous vous teniez derrière une cloison en feuilles de palme. Puis ensuite, le 26 juillet à l'audience, quand on vous a demandé de décrire le même endroit, en vous demandant expressément s'il y avait mur ou cloison, vous avez répondu, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de cloison. Quelle est votre version maintenant, monsieur le témoin?
C'est votre réponse, monsieur le témoin. Je ne sais pas si je dois faire un commentaire ou pas. Je crois pas. Je vais continuer. À cette barre, vous avez indiqué que la réunion avait duré au moins 3h30 ou 3-4 heures. Est-ce que vous pouvez préciser la durée de la réunion? Et pendant toute la durée de la réunion, vous êtes resté à proximité de sorte que vous pouviez entendre tout ce qui se disait. C'est bien ça votre témoignage, monsieur? Vous avez parlé à l'audience d'un tableau noir et vous avez indiqué qu'il y avait des choses écrites dessus, c'est exact? Ce qui était écrit sur ce tableau, c'était des phrases ou c'était un dessin? Lors de votre déposition à cette barre devant ce tribunal, vous avez donné la liste des commandants militaires et des adjoints de ces commandants qui avaient assisté à la réunion dont nous parlons sur l'évacuation de Phnom Penh. Et vous avez par exemple cité le nom de Vorm Vet et de son adjoint Cheng An, ou de Koi Thun et de son adjoint Khe Pork. Vous avez parlé de Tamok et de Son Sen. C'est à la page 13 du projet de transcription du 26 juillet après 9h40. Et ma question est la suivante. Au début avril 1975, vous en avez convenu à cette barre, la bataille pour la prise de Phnom Penh faisait rage. Est-ce que vous vous souvenez si le fait de rassembler en pleine bataille tous les commandants et leurs adjoints au même endroit était un problème parce qu'il a fallu leur faire quitter le front et il a fallu les rassembler en un seul lieu? Est-ce que ça a posé des problèmes du point de vue de la sécurité? នាំមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋប្រភេទនេះបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានសំណួរនេះនឹងនាំឲ្យសាកសីធ្វើការសន្និដ្ឋានសូមអរគុណលោកប្រធាន
Je ne pense pas, Monsieur le Président, puisque le témoin faisait partie de l'unité des corps de garde. Il était donc informé du type de difficultés dont nous parlons. Rassembler tous les commandants et leurs adjoints d'un front en pleine bataille, ça pouvait le concerner. C'était quand même une situation très particulière si l'on suit son raisonnement. សក្តិយន្តមានប្រសិទ្ធភាពសាស្ត្រីមកឆ្លើយតបនឹងទំនួដែលនាំឲ្យលោកបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលើបញ្ហាអ្វីមួយទេសាស្ត្រីគ្មានករណីកិច្ចធ្វើដូចសន្និដ្ឋានអំពីហេតុការណ៍ព្រឹត្តិហេតុណាមួយដែលកើតមានឡើងនោះទេ Je veux juste qu'il soit inscrit ici, Monsieur le Président, que je ne demandais pas aux témoins de faire des suppositions, mais simplement de nous parler, puisqu'il était en charge de la sécurité, des problèmes que ça avait pu poser. Je vais passer à la question suivante. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, sur le principe. Monsieur le témoin, question suivante. Nous avons déjà parlé du livre de Monsieur Philippe Short, qui vous a rencontré à 4 reprises. Et je voudrais vous demander si, pendant les entretiens que vous avez eus avec lui, Monsieur Short vous a posé des questions sur... cette réunion dont vous avez parlé aux enquêteurs du tribunal et à cette barre. Dois-je comprendre de la réponse que vous venez de faire que oui, vous aviez parlé à Philippe Short de cette réunion de B5 au début avril 1975? Yeah, Mr. President, the question is leading. The witness said no such thing. If counsel has passages that he wishes to refer him to, he can, but he's misstating what the witness said and attempting to lead him now. Je ne crois pas que ce soit le cas, Monsieur le Président. Je lui demande juste s'il se souvient avoir discuté de la réunion dont nous parlons, qui se serait tenue début avril 1975 à Bessin. Est-ce qu'il se souvient en avoir parlé avec Monsieur Short? Le témoin me dit, je ne me souviens pas. Il n'y a absolument aucune espèce de suggestion au témoin dans ma question. យកតាមនឹងទៅហើយលោកស្ដាប់ប្រហែលតាមមិនយល់អត់មានបកកបកប្រែមានការបកប្រែទេ មេធាវី ខ្មែរហ្នឹងក៏ឆ្លើយនៅ លោកប្រធានខ្ញុំស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់ស្ដាប់ជាភាសាបារាំងទេដូច្នេះបើបកប្រែខ្ញុំមិនបាច់ដឹងបានបាទគាត់ឆ្លើយបែបដូចលោកប្រធានមានភាសាមិញប៉ុន្តែវាអត់ចំនឹងសំណួរមែនទែនវាជាហៅអបោហាសាសបាទ
ចម្លើយគាត់ឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងBen, je vais continuer alors à travailler sans connaître la réponse du témoin. Je ne sais pas ce qu'il a répondu. Pour moi, c'était une réponse. សូមអ្នកបកប្រែរៀបចំនៅការបកប្រែលើកម្ពស់គុណភាពឲ្យបានល្អហើយនឹងបកប្រែយឺតៗឲ្យច្បាស់លាស់ឥឡូវនេះកិច្ចដំណើរការពិភាក្សាដេញដោលកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងហើយសាក់សីឆ្លើយរួចហើយហើយអ្នកដែលចង់បានចម្លើយនឹងស្ដាប់អត់តាន់បានផងសួរសារថ្មីម្ដងទៀតជាប់ដែលសួរម្ដងទៀតឆ្លើយខុសពីមុននាំឲ្យកិច្ចសួរនឹងគឺដដែលនឹងអត់ទៅមុខទេហើយគាត់នឹងសុំពេលវេលាទៀតជួយបន្តសុំលោកមេធាវីរៀបចំសំណួរឲ្យបានងាយងាយជាក់ច្បាស់ខ្លីដើម្បីឲ្យសាក់សីទទួលយល់អំពីគោលបំណងនៃការសួររបស់លោកហើយនឹងលោកអាចឆ្លើយតបបានពីព្រោះលោកដាក់បង្ហាញឯកសារទាញឯកសារមកឯកសារនឹងមិនមាននៅអេក្រង់ទេហើយប្រធានបើមានឯកសារនោះជាភាសាបរទេសទៀតដែលគាត់មិនបានឃើញមិនបានដឹងទេAlors, si vous permettez, je voudrais juste demander au témoin, est-ce que lors de vos entretiens avec M. Short, vous avez parlé de la réunion de début avril 1975 à B5 sur l'évacuation de Phnom Penh ? Pouvez-vous me dire oui ou non ? C'est tout, je vous demande.Merci. Donc je voudrais vous soumettre juste un point rapidement, à savoir que dans son livre, M. Short n'a pas repris ce témoignage de votre part, puisqu'il situe la réunion au cours de laquelle se serait pris la décision d'évacuer Phnom Penh à l'automne 1974. Et je vais citer les références pour que tout le monde les ait. E3-9, ERN français, 006, 39, 458, ERN anglais, 003, 06, 1, 99.Je précise qu'il n'y a pas de traduction de cet ouvrage en khmer. Alors, monsieur le témoin, est-ce que, puisque vous avez rencontré monsieur Short 4 fois, vous êtes donc entretenu avec lui, vous avez la moindre idée, à partir des discussions que vous avez eues avec lui, de la raison pour laquelle il n'a pas repris votre témoignage sur ce point ? សាក់តែកុំអត់ឆ្លើយតបចាំប្រាប់ត្រីជំទាស់របស់ដំណាងសាធិញ្ញាជំមន្តិនសូមជើញដំណាងសាធិញ្ញាដំណាងសាធិញ្ញា The question asks for the witness to speculate and provide opinions. Counsel is claiming he doesn't have enough time and yet now he's asking this witness to opine on the conclusions of Philip Short. It's totally inappropriate question. Counsel should know that. លោកជាគំនិតលើបញ្ហា Philip Short ដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបLes seules leçons que j'accepte du côté du procureur en ce moment, ce sont des leçons d'obstruction à ce que je puisse avancer dans mon travail. J'ai demandé au témoin si, à partir des entretiens qu'il a eus avec M. Short, il comprend pourquoi Short n'a pas retenu son témoignage. S'il ne peut pas expliquer ou s'il n'a pas souvenir d'une discussion entre eux là-dessus, eh bien, nous passons à autre chose, c'est tout. Il n'y a pas de suggestion ou quoi que ce soit là-dedans. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit, c'est que j'ai dit, le bon nom de la Sapriña, c'est que j'ai dit, c'est que j'ai dit, c'est que j'ai dit,
Alors nous allons avancer dans le temps, monsieur le témoin, et je voudrais parler maintenant des réunions qui se seraient tenues, selon vous, à la gare de Phnom Penh et à l'ancien ministère du Commerce après la chute de Phnom Penh. Vous avez déclaré à cette barre qu'après la chute de Phnom Penh, une partie des oncles s'était progressivement regroupée à la gare ferroviaire et qu'ils étaient restés un total d'une semaine. Vous avez dit qu'ensuite ils étaient passés pendant deux semaines dans les locaux de l'ancien ministère du Commerce. Et puis vous avez dit que dans ces deux endroits, la gare et l'ancien ministère du Commerce, les oncles avaient rencontré de nombreux militaires. C'est la page 63 du projet de transcrit du 26 juillet, autour de 14h13 et après. Et ma question est donc la suivante. Dans la gare, les réunions dont vous parlez, dont vous avez parlé ici, avait-elle lieu dans la grande salle d'attente du rez-de-chaussée ou à l'étage ou à l'extérieur de la gare? Où avaient lieu les réunions dont vous avez parlé? Et dans ce bâtiment, à quel endroit se tenaient les réunions dont vous parlez? Et dans laquelle de ces salles ou lesquelles de ces salles se tenaient les réunions entre les oncles et de nombreux militaires? Vous n'êtes pas en mesure de donner plus de détails, c'est bien cela, monsieur le témoin? Et vous-même, vous montiez la gare de, à l'intérieur du bâtiment de la gare ou à l'extérieur?
Donc vous n'avez pas assisté aux réunions dont nous parlons, c'est exact? Passons, s'il vous plaît, au ministère, à l'ancien ministère du Commerce. Même question. À cet endroit, les réunions entre les oncles et de nombreux militaires se tenaient-elles à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments? Et vous, vous montiez la garde à l'intérieur du bâtiment ou à l'extérieur? Avez-vous assisté à des réunions qui se sont tenues à l'intérieur de l'ancien ministère du Commerce pendant ces deux semaines? Alors, je vais passer à un autre sujet. À cette barre, vous avez indiqué qu'à un moment donné, après la chute de Phnom Penh, les dirigeants avaient déménagé de K3 vers K1. Cette déposition a été faite il y a quelques jours, le 26 juillet 2012, à 14h41, en page 72 de la version française. On vous a demandé, vous rappelez-vous quand les dirigeants se sont installés dans le bureau K1? Et vous avez répondu, d'après mes souvenirs, il y avait plusieurs endroits, il y avait K3, et plus tard, ils se sont déplacés à K1. C'était vers la fin de 1975. Fin de la citation. Et ma question est la suivante. Quand vous avez déclaré que les dirigeants avaient déménagé de K3 vers K1 à la fin 1975, est-ce que dans ce déménagement, vous incluiez également M. Khieu Samphan? Et de quelle sorte de déménagement s'agissait-il? S'agissait-il d'un déménagement de bureau qui passait de K3 vers K1 ou s'agissait-il d'un déménagement de domicile qui passait de K3 vers K1? Donc votre témoignage, monsieur, c'est de dire qu'à un moment donné, après K3, Khieu Samphan avait un bureau à K1, c'est bien cela? Mình tí quát nâu có mùi, chẳng
Alors, j'ai l'impression que vous venez de changer la chronologie et les lieux de déménagement, puisque dans votre réponse, il a été traduit en français qu'il s'agissait non plus d'un déménagement de K3 vers K1, mais d'un déménagement de K1 vers K3. Est-ce bien ce que vous venez de dire, monsieur le témoin ? Monsieur le Président, je sollicite votre intervention parce que je pense que c'est quand même pas à moi de décider quelle doit être la réponse du témoin. Peut-être devriez-vous lui rappeler que nécessairement, je pourrais répondre avec le maximum de précision possible aux questions que je lui pose. Monsieur le Président, je sollicite votre intervention parce que je pense អរគុណហើយសាស័យដូចគ្នាសាស័យគឺសូមរៀបចំនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរសំណួរដែលសួរគ្រប់សំណួរដែលសួរយើងបានប្រាប់តាំងពីដើមមកគឺថាកតបកិច្ចរបស់សាស័យត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលភាគីសួរគ្រប់សំណួរទាំងអស់តាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលខ្លួនបានដឹងបានឮបានឃើញចងចាំ មានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ឬក៏បានសង្កេតឬក៏សម្គាល់ឃើញនៅក្នុងបំឡុងពេលដែលក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិហេតុឬហេតុការណ៍ដែលមាននៅក្នុងសំណួរហើយសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតសូមលោកមេធាវីក៏សម្រួលសំណួរឲ្យបានងាយៗដែរ អាចពីកបីតកមួយកមួយតកបីនេះអាចវាកើតមកពីការបកប្រែឬក៏ជាការតាំងសំណួរដើមដំបូងយ៉ាងម៉េចបានជាអាចមានចម្លាក់ចេះទីពីរក៏សូមស្វែងយល់ដែរអំពីពាក្យច្រឡាត់នេះពោះដូចជាញឹកច្រើនដងហើយពាក្យច្រឡាត់នេះគឺថាការស្វែងយល់នឹងគឺជាការលំបាកមួយពាក្យច្រឡាត់ដែលគេប្រើនៅក្នុងសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពាក្យពន់ជាមួយនឹងការសម្ងាត់ នៃអង្គការគឺគេតែងតែធ្វើអ្វីជាសម្ងាត់នឹងច្រឡាត់ជានិច្ចបញ្ហានេះគឺកើតមានហើយនៅក្នុងដំណំរឿងគឺមានអ្នកច្រើនដូចហើយ លោកតាំងសំណួរបន្ត លោកចាំថាសំណួរកាលណា សួរវិញបើមានហេតុការអីកើតឡើងភ្លេចអស់ហើយម្យ៉ាងរឿងហេតុវាយូរម្យ៉ាងបកប្រែម្យ៉ាងវ័យគាត់ក៏ចំណាស់ហើយ 60 ជាងហើយលោកមានបំណងសួរអីលោកតាំងសំណួរដើម្បីលោកអាចមានឱកាសនៅក្នុងការអង្គជម្រះពិចារណាអំពីផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យលោកដែលលោកមានបំណងស្នើសុំ Monsieur le témoin, à un moment donné, après la chute de Phnom Penh, que son pan a-t-il eu un bureau dans les locaux de K1 ? Oui ou non ? ខ្ញុំក្តាប់អត់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅឃើញនៅជុំគ្នាទេមន្ត្រីដែលឡៃដែលអត់មានទេ
Je vais donc passer aux questions suivantes, monsieur le président. À cette barre, vous avez déclaré qu'à partir de mai 1975, donc après la chute de Phnom Penh, vous aviez cessé votre travail de garde du corps. Et vous avez dit qu'au début, vous étiez chargé, aux côtés de Yeng Sari, de l'accueil des invités. C'est à la page 72 du projet de transcrit. Et ma question est la suivante. Qu'en est-il de vos fonctions de messager que vous occupiez dans la jungle? Les avez-vous cessées en même temps que vous avez cessé celles de garde du corps? À partir de quand avez-vous cessé d'exercer des fonctions de messager? จำนวนนี้คือถ้าเจียพี่สาขมายเยอะคือถ้ากาเตะเต้าเวียนหลาโหดเวียนนำเต้านอมหม่อนั่นอะไรนึงคือถ้าลบสู่ได้ชกไปหนาคือถ้าอันเมียนไปชกได้คือถ้าทางระยะใบชะนำเมียนกาแต่เนี่ยแต่นองเนี่ยหลาโหดก่อนจะเจ็ดก่อนจะช่างง่ายจังมนช่างง่ายอันนี้เจ็ด Merci. Donc, si je comprends bien, pendant la période 1975-1979, vous avez mené des missions aussi importantes que l'accueil des hôtes étrangers, l'approvisionnement de B1, le contrôle psychologique des 1000 employés dont vous aviez la charge, l'enquête sur le tourisme en Chine dont vous nous avez parlé hier, et en plus de toutes ces missions, vous avez accompli des tâches subalternes qui consistaient à apporter des lettres. C'est bien cela que vous dites, monsieur le témoin ? ខ្ញុំយល់ចំនួនលោកមិញថានៃពីរឿងដែលខ្ញុំណែនីរសាហ្នឹងបានខ្ញុំឆ្លើយតែរឿងនីរសានេះអត់មានឈប់ទេគេនៅធ្វើរហូតញ៉ឹងព្រោះវាមានសារនាំទៅនាំមកព្រោះមានការតំណែងតំណងទៅអ្នកតំណងមកអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងការងារនោះក៏គេធ្វើដែរ À cette barre, pendant ces jours d'audience, vous avez déclaré que les seules lettres échangées avec Khieu Samphan, entre vous et Khieu Samphan, étaient en rapport avec l'accueil des hôtes. Je fais référence à l'audience du 26 juillet, en page 88 de la version française provisoire, après 15h40 et 34 secondes. Je fais également référence à la page 93 du même jour, après 15h59 minutes
41 secondes, je fais encore référence à votre déclaration du 30 juillet 2012, à cette barre, en pages 5 et 6, après 9h, 12 minutes et 48 secondes. Est-ce que vous confirmez que pendant la période de 75 à 79, les seules lettres que vous avez échangées, remises à M. Kyo Sampan, portaient sur l'accueil des hôtes étrangers au Cambodge? ចំពោះអ៊ំខៀវសំផនដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាគាត់ចំកាន់នាទីហ្នឹងគេក្រោយពីបាត់ដឿនទេបានគាត់ឡើងពេលចង់ចិត្តបំបីទៅហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាមានអីច្រើនទេតែថាមានតាក់ទងមួយគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាការតាក់ទងហ្នឹងរវាងមន្ត្រីបំបីតែចិត្តនៅបមួយរវាងណែខ្ញុំទៅគាត់ហ្នឹងវាមានម្ដងមកកាលអញ្ចឹងដែរការងារចាំបាច់វាមានការតាក់ទងទេអញ្ចឹង Et d'accord, monsieur le témoin, et sur le contenu des contacts, l'objet des contacts que vous aviez avec Kyo Sampan, c'était l'accueil des autres étrangers ou autre chose? Est-ce que pendant toute la durée du Kampuchea démocratique entre 1975 et 1979, vous avez travaillé ou collaboré directement avec Kyo Sampan sur des questions qui concernaient des arrestations de personnes ou leur élimination? Est-ce que lorsque vous dites que Yeng Sari vous a parlé du fait que Kyo Sampan avait succédé à Dun, il s'agissait de vous dire qu'en matière de réception des hôtes, c'était Kyo Sampan qui s'en occuperait? Monsieur le procureur, pouvez-vous indiquer en quoi j'ai déformé les propos, s'il vous plaît? If you want me to use your question time to do that, I'm happy to do so. The witness testified to his communication with Yeng Sari, which was that Yeng Sari took over Doyne's functions at Office 870. There was no qualification that it was limited to matters related to foreign guests. You added that into your question, suggested it to the witness, making the question leading and misrepresenting his prior testimony. Je ne crois pas que ce soit le cas, M. le Président, mais je peux essayer de reformuler ma question si vous le souhaitez. Monsieur le témoin, lorsque fin 78, Yeng Sari vous a dit que désormais, c'est
Khieu Samphan, qui assumait les fonctions de Doun. A-t-il précisé si les fonctions dont il parlait concernaient toutes les fonctions de Doun ou est-ce qu'il a précisé que c'était l'accueil des hôtes étrangers? ចំណុចនេះគេថាពាក្យដែលទទួលបន្តពីឌឿននោះតាខ្ញុំយល់គាត់ទទួលក៏តទាំងអស់នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះតែខ្ញុំតែតោងពីគាត់តោងទៅថាតោងទៅគាត់នោះគឺតោងពីរឿងភ្ញៀវទេអញ្ចឹង D'accord, je crois que ça répond à ma question, monsieur le président. Est-ce que vous connaissez un certain frère Yem? Et si oui, quelles étaient ses fonctions? ត្រូវខ្ញុំស្គាល់ណាគឺហុកបំពេលណាគាត់ទៅពង្រៀនណាគាត់ទៅរៀននឹងដែរហុកបំពេលណាគាត់ទៅរណាគរីដែរហើយក្រោយមកនេះក៏មិននៅនៃលេខានៅនៅប្រជេសចាស់ដែរក្រោយមកទៀតដំដោះណាគាត់មកក្រសួងការបរទេស Je vous remercie. Je voudrais vous poser une question de clarification. Et vous avez déclaré que c'était le 26 juillet, page 91 du projet, juste avant 15h52 et 13 secondes. On vous demandait qui présidait le bureau 870 et vous avez dit au début c'était Bong Pang qui le présidait et après la disparition de Pang, Deun a pris sa place. Et moi je voulais vous demander, d'après vous c'était quand la disparition de Pang? ខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទេប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ78នឹងឯងរវាងខែ5ខែ6នឹងដឹងទេគឺចន្លោះនឹងខ្ញុំចាំច្បាស់ទេចឹង Et la disparition de Doun, vous vous souvenez de la date? Doun nous bat clown pelna dai lok cham kal parachai dari te. Bat clown nous kong chanam chat pambay dai.
À cette barre, on vous a demandé, je vais changer de sujet, monsieur Témoin, on vous a demandé si vous aviez eu connaissance d'un discours de Khieu Samphan relatif aux 7 supertraites de la clique de Lon Nol. Et moi, je voulais vous demander si vous aviez eu connaissance, de, à l'époque, de la déclaration de Sihanouk, datée du 26 mars, mais également des 1er et 2 avril 1975, dans lesquels le prince annonçait la condamnation à mort de Lang Boret et dénonçait avec des mots très durs les 7 supertraîtres de la clique Lon Nol et réclamait également que soient jugés 16 autres traîtres. Est-ce que vous avez eu connaissance à l'époque de ces discours de Sihanouk? Enfin, hier, vous avez déclaré que vous étiez chargé d'organiser la fuite du prince Sihanouk en janvier 1979, lorsque Phnom Penh était attaqué par les Vietnamiens. Est-ce que Khieu Samphan était avec le prince et la princesse au moment de cette fuite? Monsieur le Président, j'espère que vous allez être content de moi. J'ai terminé. Merci, Monsieur le Président. បាទអរគុណច្រើនលោករជំទុនការស្ដាប់សកម្មភាពរបស់លោករហូតដល់ពេលនេះបានចប់សុខគ្រប់ហើយហើយខ្ញុំជម្រះមិនត្រូវការស្ដាប់សកម្មភាពរបស់លោកជាបន្តទៀតទីលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬគោលដៅដែលលោកចង់ទៅបានហើយអរគុណជម្រះថ្លែងញោមនគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោក ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះដោយបានខិតខំអត់ធ្មត់និងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយសក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាគទានក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃរឿងក្តីនេះហើយសូមលោកជួបតែតំណាងល្អនិងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រូវរួចជាមួយនឹងអង្គភាពគំពីសាក់សីអ្នកជំនាញក្នុងការជួនសាក់សីរូបនេះវិលត្រឡប់ទៅនំរឋានឬក៏គោលដៅដែលគាត់ចង់ទៅកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ព្រឹកនេះឃើញថាសមរម្យសម្រាប់ហើយហើយអង្គជំនះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់រយៈពេលមិត្តទៅទៅរហូតដល់រុស្ស៊ីល្មមមួយ30នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការហើយ នៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះសូមជម្រាបភាគីនិងសាធារណជនជម្រាបផងដែរថាកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការនឹងបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្ម Thank you, Mr. President. Good morning, everyone.
very briefly, I'm informed that our client is suffering from a backache. បាទអង្គជំរះបាទស្ដាប់នៅសំណើសុំរបស់ជំទាវចតនួនជាដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពេទ្យរបស់គាត់សូមទៅនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលធ្វើសម្រាប់ការទៅពេញមួយរសៀលនេះហើយដោយមេធាវីរបស់គាត់សន្យាថានឹងផ្ដល់មកឲ្យអង្គជំរះនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសម្ដែងការដោយផ្ទាល់របស់ជំទាវចោតអង្គជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំ